Il y a des gens vraiment, vous aimez trop Touipine. Et moi, je suis à Carnon. Là, c'est un village à côté de Montpellier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain. Donc laissez-moi en dehors de tout cela, s'il vous plaît. Merci. Bon, là, très très gros coup de gueule, j'en ai rien à foutre que ce soit Lidl ou pas. Regardez, vous avez vu ça, on connaît tous ça. Les pizzas, 4 fromages. Il y a bien marqué 4 fromages, je suis pas analphabète. La vie de ma mère avait du jambon dedans. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre tout de suite. Je vous montre si jamais, parce que je connais ceux qui vont dire on veut boycott, je sais pas quoi. C'est pas une dinguerie. Je tape un croc et je tombe sur ça. Ça là, vous voyez le truc rose là? C'est... J'ai envie d'aller insulter leur mère. On y va? Gars, Lidl, qu'est-ce que c'est devenu? Ils nous prennent pour des cons, parce qu'on est quoi? Parce qu'on est musulmans, on est des arabes, on sait pas lire. On va rien dire, Zama. Wallah, c'est trop une dinguerie. Wallah. Ça me dégoûte. Pouh. Regardez ces chiens. Regardez. Pizza, 4 fromages. Et montre-leur bien qu'il n'y en a pas d'autres, les pizzas. Parce qu'après, ils vont dire qu'on est bien. Rien à foutre, vas-y. Il est où le... Vous savez que c'est vraiment une dinguerie, genre. Quand... Heureusement que je suis revenu à, qu'on est revenu à Lidl se plaindre, parce que quand on est revenu, il y avait rien qui a changé, il y avait toujours des trucs et tout, et que des darons rebeux, tout ça, qui voulaient prendre, tout ça. Je dis, non, tata, c'est du porc, tout ça. Et il me fait quoi, le mec? Du coup, il a compris, il a ramené le responsable, il arrive et tout. Et au lieu de mettre pizza 4 fromages, parce qu'il a enlevé le pizza 4 fromages, il a mis barchetta 4 fromages. C'est-à-dire quoi? On a tourné le dos, quand on tourne le dos, une autre daronne avait prendre le barchetta 4 fromages où il y a du halouf dedans. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont rien à foutre qu'on soit venu ou pas, ils nous ont juste parlé de remboursement, les armas et ils rechangent tout. Là, on est reparti, ça se trouve, ils ont remis 4 fromages. Donc, vous avez vu, au Lidl de... Conseil pour vous, hein, moi, je vais jamais retourner là-bas. Le Lidl de en face de Start and Go, l'agence ANJ. Il y a un Lidl là-bas, faites attention là-bas juste. Vous voyez, quand vous prenez le pizza ou le truc, regardez bien partout. Conseil pour vous, voilà, surtout pour les darons. Prévenez vos darons parce que je te jure, j'en ai vu 2-3, elles allaient prendre normal. Voilà, bon appétit. Ah bah oui, Kenai, qu'est-ce qu'il en a à foutre qui est du porc ou pas? Donne pour moi. C'est vrai que j'avais oublié, voilà, il n'y a pas ça à Saint-Jacques. Là, on va aller pêcher, nous. Moi, j'ai trouvé une petite chaise là. Ils ont tous des chaises PCR. Bon, on va juste la tester déjà. Si je la porte pas. Oh là 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 là, je vais me régaler. Bon, je la porte et j'arrive. Bon, c'est bien, les mecs. La bichette. C'est beau là? Ouais, même là, ça non, suffit. C'est... Là, tu refermes le truc. Je referme. Voilà, ouais. Et tu moulines un peu pour que le fil soit tendu. Non, je croque pas. Pour combien tu croques? Mais tu me donnes 5000 euros, je ne sais pas. Jolie hutte. Voilà, psahtek. Ya teksha khouya. Une jolie hutte à plein de dumes. Bon appétit les frères. Bismillah. Là on va faire une expérience. Avec une pote, on va pêcher. Mais c'est qu'on aime les pâtes carbonara. Hein? Les bonnes petites pâtes.